À toi de jouer! Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro, et cette fois-ci, pas n'importe quel jeu rétro, étant donné que celui-là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le pire jeu rétro qu'on ait jamais testé, qui n'aurait jamais dû exister, à savoir Superman The New Adventure, ou Super... Enfin, The New Adventure, ou plutôt Superman 64, qui est sorti en 1999, édité par Titus, et sorti sur N64. Non, 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 mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, il s'agit bel et bien du légendaire Superman 64. Un jeu mettant en scène déjà Superman pour commencer et tiré bien évidemment de la série animée Superman. Alors autant la série animée, autant le jeu est typiquement mais affreux quoi. C'est le jeu n'aurait jamais dû voir le jour. Je sais pas pourquoi. Donc votre mission, si toutefois vous acceptez, c'est les amis de Superman qui se sont fait enlever par Lex Luthor dans un monde virtuel. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Allez, c'est reparti. Oui, on a compris, mec, on a compris. Hein. Ouais. Bon. Sort de ce labyrinthe. Oui, on a compris, mec. Attends, déjà pour commencer, il faut déjà savoir où est-ce qu'on est. Très bien. Oh là là là, déjà pour commencer, ça va être la galère. Il faut. Oh mais ça! Ah là 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 là! Oh là 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 là! Bon, déjà je fais de la merde. Déjà je fais de la merde. Déjà, mais je fais vraiment de la merde parce que déjà, il y a Superman qui fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais, mec, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est devant que tu dois aller, c'est pas vers le mur. Non mais, il est piqueux ce mec! C'est du grand délire. En plus, le jeu graphiquement, il est ultra moche. Et en plus, on sait pas ce qu'on doit faire. D'accord. Visiblement, il a envie de s'accoupler avec le mur. Mec, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais au moins faire l'effort de te retourner, s'il te plaît, et d'attraper ces cerceaux? Attends, on va reprendre parce que là, j'avoue que j'ai pris un mauvais départ. Quitter le menu, oui. Attendez, on va refaire parce que là j'avoue que j'ai fait de la merde. En plus je joue sur émulateur et quelque chose me dit que ce jeu ne va pas du tout me plaire. Alors j'ai pas besoin de vous préciser que ce jeu a été testé et désapprouvé par certains youtubeurs. Ça va à l'encontre de la Long Grid Video Gamer, en passant par le jour du grenier, qui l'a testé et même testé. En revanche, et quelque chose me dit que moi aussi je vais. Et étant donné qu'on est pour s'amuser, bah à mon tour de m'amuser. Bon, allez. Allez. De l'autre côté, s'il te plaît. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est par là qu'il faut y aller. Voilà. Mais non, pas sur le mur. Mais pas sur le mur, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, mon Dieu. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est ordonné, n'est-ce pas? Non mais. Bon, ok, je crois que ce jeu va me saouler aussi, mais je pense que ça doit être l'émulateur qui doit être en cause, parce que si c'était sur le jeu N64, il y a forte chance que je galère, mais bon, écoutez, je vais essayer une dernière fois. Si j'y arrive pas, je remballe tout, voilà. Bon, mais le jeu franchement est pas simple. Ce jeu est vraiment mais pas simple du tout. Ah là 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 là. Bon, ok. Si un jour l'un d'entre vous m'aurait proposé de tester Superman 64, ben je n'aurais pas hésité à le tester, mais bon. Mais ce jeu, franchement, c'est la preuve qu'il aurait jamais dû voir le jour. Jamais, 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 jamais. Bon. Alors, en tout cas, il a un petit avantage, il respecte bien
La série animée, oui, parce que ce que je viens de vous dire, ce jeu est tiré de la série animée Superman, qui aura le même succès au même titre que Batman, la série animée. D'ailleurs, c'était vraiment la grande mode de faire des, comment dirais-je, des séries d'animation mettant en scène des super-héros. Bon, comme je viens de vous dire, il y a eu Batman, Superman, la Justice League, en passant par les Teen Titans. Chez Marvel, ça va à l'encontre de Spider-Man, les Avengers, les X-Men. Attends. Attends, attends. Faut vraiment. Attends, attends, attends. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Attends. Si je faisais ça. Si je faisais ça. Mais non! Mais non, mais touche-le! Le touche le cerf. Le. Enfin, le. L'anneau! Mais merde! Putain, mais on a l'impression qu'il n'est pas motivé, ce mec. Il n'est pas motivé. Il n'est pas motivé du tout. Oh là 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 là. Mais non, mais va pas par là! Mais non, mais que le connard! Mais putain! Bon, écoutez, j'ai l'impression que l'émulateur ne va pas me faciliter la tâche et quelque chose me dit que ce jeu va me saouler moi aussi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je savais que tôt ou tard j'allais en payer le prix. Bref, ce jeu, franchement, est d'une nullité absolue. Franchement, ce jeu est nul, merdique, limite phallique. Voilà, c'est le terme vraiment adéquat. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, bon, je suis encore désolé, mais bon, le jeu, franchement, n'est pas simple. Et sur émulateur, il n'est pas non plus simple du tout. Donc, raison, double raison de le faire détester. Et voilà, mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc Superman 64, sorti en 1999 sur N64, ou Nintendo 64, ça dépend comment on l'appelle. Sorti en 1999, édité par les studios Tetus, à qui on leur doit bien sûr de nombreux de nombreuses perles assez médiocres, comme par exemple Hercule, enfin oui, Hercule, Xena la princesse guerrière, en passant par comment il s'appelle? Ah oui, Mokhtar avec la gaffe. Oui, parce que sont eux qui ont fait aussi le jeu Mokhtar du clip de la gaffe. Hein. Et s'il le faut, j'essaierai d'en parler peut-être dans une vidéo sur les jeux, une vidéo critique sur les jeux Titus. Tiens, pourquoi pas, j'essaierai de voir. Bref, n'hésitez pas à me le demander, on ne sait jamais. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici à salut, et rendez-vous pour de prochains Let's Play. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais des...